Bonjour à tous et bienvenue. Et voilà pour un nouvel let's play sur la chaîne. Bon, finalement, Dragon Quest 8, vu que le 11 va de sortir. On se remet un peu dans le bain. Tout ce que j'adore, celui-là, donc. J'ai fini comme vous avez vu en 150 heures, donc on va refaire. Hein. On va le refaire. Bon, je sais pas à 100%, mais bon. On va s'amuser un petit peu. Et je me tais. Oi, Gav! It's gonna get dark if we hang about here much longer. Toi qui est en français. Cool. Faudra voir à ne pas traîner ici trop longtemps. Il va faire nuit. Let's head into town. Allons en ville. Il y a quand même des endroits où il est mieux pour passer la nuit. Shake a leg, Gav. Hey chef, remue-toi. Donc ça c'est moi, ok. Oula oui d'accord. Alors attends. Basculer en vue, ok. Droite gauche, ok. Courir. Modifier, ok. Confirmer, annuler. Toutes les actions. Ok. 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 Là, les boutons. Hein. Normal, position de l'écran, son. Ok. Gauche droite, on laisse. Ok. Ok. Voilà, donc si je fais ça maintenant. Désolé, mais bon, faut quand même que les boutons soient correctement mis. C'est déjà inversé. Désolé. Hein. Ils invertent tous les boutons. Ben voilà. Ok. Oh, tu me répétais, ça ne me pas que tu sois venu travailler pour un vieux schnock comme lui. Enfin, je peux parler, hein. J'imagine que les gens disparaissent de moi en me voyant travailler pour toi. vieux schnock, j'espérais que ce n'est pas moi que tu parles. Un type aussi peu recommandable que toi ne saurait reconnaître la grandeur d'âme. Mais quand même, on viendrait te frapper en pleine... Assez bavardé. Où est la princesse? Je ne la vois nulle part.
bonne question ça. C'est vrai qu'il y a une fille normalement. Ah les slimes. Oh, on dirait qu'on va avoir des ennemis, chef. Ah donc voilà les fameux combats que j'adore. Donc donc attaquer du loin et enfin, on peut se remettre dans les situations que différentes techniques du combat à chaque personnage. Ok. Ok. Donc faut que je me rappelle un petit peu. Hein. Ok d'accord, donc ça on s'est défendu. Et lui il attaque. Ok. Hop, ok, 3 points, d'ailleurs, un coffre, une herbe, ok. Voilà. Eh bien, nous avons bien pris par surprise. Je n'ai pas de quoi faire toute une histoire. Hein. Bon, où est la princesse? Où est Médéa, ma fille? La prunelle de mes yeux. Ah, te voilà. Béni soit la déesse, tu es saine et sauve, Médéa. Ah, mais en fait, c'est un cheval. Ouais, d'accord, c'est un cheval en fait. Je dis qu'on devrait bouger avant qu'il fasse nuit. Mais ouais, pas bête. Et ben nous allons y aller. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si c'est pas déjà fait, puis à suivre les différentes vidéos. Voilà, donc il y a Dragon Quest VIII, Zelda, qui va tout être fini, mais je continuerai le 100% et le DLC, donc à venir. Mario Kart 8 bien sûr, Lego City, et puis de temps en temps des nouveaux jeux PS2 pour vous les faire découvrir. Normalement, régulièrement, chaque jour, ce sera le même genre de jeu. Ça vous ferait pas dépayser. Bon bah il rentre dans le village hein. Ouais, je les reconnais en fait ces persos. Ça me dit quelque chose ces personnages. Enfin plus trop, à part les monstres évidemment, c'est quand même le but du jeu là. Les combats de monstres, tout ça, c'est parfait. Donc oui, bah, désolé, ça charge, hein. C'est PS2. Et je joue sur console, hein, bien sûr. Et puis voilà, si mes mémoires ne me fait pas défaut, c'est bien là. C'est la ville où vit Maître Rilus. Arrête ton char, Pépi. Je croyais qu'on avait après Doulmagus. Je ne suis pas ton Pépi. Et évidemment, Doulmagus est notre homme. C'est lui qui nous a changé, Médéa et moi, en créatures ridicules. Ah, ok, d'accord. Mais cet ignoble magicien ne pourra pas nous échapper éternellement.
Nous devons le retrouver pour en finir avec ce sort diabolique. Vous regardez ma pauvre Médéa. Il y a que nous venons de nous promettre au prince Argonia. Oh, ce doux Magus, quel personnage abject. Ah, donc en fait, c'est une princesse, le cheval. C'est pourquoi il est impératif de localiser Rius. Iras-tu le trouver? Bien sûr. Parfait, je sais que je pouvais compter sur toi. Ah, je t'attends ici. Ok. Donc. Tactique. Ok. Oui, bah, je sais. Oui, je sais, merci. Ah, c'est Y pour annuler. Donc voyons. Quoi? T'as pas une idée de partir sans moi, j'espère. Ah bah, comme ça arrive autour des gens, je suis le meilleur, c'est ma démarche de fabrique, comme on dit. Bon, si tu veux, hein. Alors, il vous suffit d'aller dans une église, vous confesser, progression, ok. Ok. Bon, pour l'instant, on va voir c'est quoi tout ça, là. Je comprends pas quoi ça sert ce machin. L'autre jour, il y avait un drôle de type ici, il est habillé comme un fou. Alors, je me suis dit que c'était peut-être un certain itinérant, mais il n'y a pas quelque chose en lui qui faisait froid dans le dos. Je me demande s'il est toujours en ville. Ah, excusez-moi, un SMS. Hop. Désolé, je réponds au SMS. Enfin, je regarde déjà qui c'est. Ok. Oui, mais lui, il me dit quoi, lui? Ah, voilà. Quoi que vous achetiez, rien, je le vois, vous cherchez quelqu'un, mais il se peut quand même. Magasin. Nous allons y arriver. Alors, j'ai 53. Ça. Permet de vous envoler. Oui. Dans le sac. Ok. J'ai dit non. Je m'y ferai pas avec le X et les triangles. Hein. Bonjour toi. Deuxième fois qu'un ami est dans un incendie. J'avais 30 ans, c'est jamais vu depuis, vous savez. Ok. Je sais pas ce qui m'intéresse. Ah, magasin d'armes. Alors. J'ai passé. Il y aurait que ça, mais ça fait descendre. Maintenant, si je vends, j'ai plus rien après.
Ok, ça me dit. Ok. Rien d'autre. Donc là, c'est le bar. Ok. On va aller voir, c'est dans des... je sais pas du tout où faut aller. Vous n'avez pas eu assez, monsieur Calderche. Je ne sais pas quoi, tout, c'est non. Les unes, mes affaires sont les affaires. Pour en douter, nous donnons une fortune. Fortune. On dirait. Mister Satan dans Dragon Ball. Quoi, vos pouvoirs douteux? Tu es complètement stupide. Laisse-moi te dire quelque chose, gratuitement. Tout acte d'élimination est douteux. Qu'est-ce que tu crois? De toute façon, qu'est-ce que ça aurait changé si je l'avais vu? Si j'avais prédit le feu, si j'avais tenté de l'arrêter, qu'est-ce que ça aurait fait? Non, ça peut provoquer un autre désastre. Voilà ce que ça aurait fait. Je m'excuse, monsieur Calderacha. Je ne vous suis pas. Vous insinuez que si vous aviez vu. Si vous, êtes, vous insinuez que si vous aviez. Que si vous saviez pour le feu, vous auriez pu au moins prévenir maître. Ben oui, c'est normal. Combien de fois je me suis disputé avec ce vieil homme? Je n'arrive pas à croire qu'il est mort. Mais ouais, que veux-tu? Et toi, tu me dis quelque chose? Je n'ai plus qu'il est en français, en fait, le jeu. Bon, ils sont où? Tout le monde crie, il s'agit de pouvoir un peu, vous savez ce qui se passe? Oui. Quoi, ils ont trouvé un monstre, pourquoi vous gardez votre calme? Vous ne devriez pas paniquer un peu plus? Non, ça va, j'ai l'habitude. Hein. D'accord, mais il est où le monstre? Ça c'est bien joli, mais... Ah, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Ça sent roussi. Allons-y. Ils ont l'air énervés. Tiens donc. Ah, mais c'est lui qui peut faire monstre. Ok. Right on the... Oh, stop!
Bon, bah au moins. Ils sont gentils avec eux. C'est super. On disait la mise en charge, hein, c'est la vraie console, donc c'est un petit peu long. Bon, ce fut un charmant accueil. Donc tu prends conscience de qui je suis? Bah non. Il ne fait pas le moine. Ne s'active pas à l'être contre plus que le paraître. Ou alors, je te le fais pas dire. Vous avez besoin de... Avez-vous réussi à trouver Maître Rilvus? Je sais même pas. What? He's dead? Ah oui, c'est qu'il est mort, ok. Ouais. Ah oui, dans le feu. Well, bon, c'est la montée, c'est nous que nous cherchons. He's après tout, c'est lui qui nous a interpellés. La princesse et moi, si nous sommes ridicules, ok. J'avais espéré que ce Rilvus nous aiderait à le localiser. Mais il semble que nous allons devoir retrouver Lidul nous-mêmes. Lidul, c'est ça me saoule. On dit non anglais. Bon, bah, parce qu'il est mort. Ah. What? Please wait. I'm sorry to come running after you like this. It's just that I... Ah, un service? Tiens, tiens. Are you not afraid of me? Vous n'avez pas peur, jeune demoiselle? I dreamt about you. J'ai rêvé de... Oh, d'accord. Ah bon. I dreamt that some people came to town with des gens strange creature. J'ai rêvé que des gens arrivaient en ville accompagnés d'une étrange créature, une sorte de mi-monstre. I dreamt that they could make wishes come true. Ah bon? Strange creature? Are you referring to me? I'm so sorry. I didn't mean to be rude. Dans un sens, elle a raison, hein. Il est mi-homme, mi-monstre, hein. Not to worry. I've had worse things said to me today. You know. Mais on voit, j'entends des choses bien pires aujourd'hui. Vous savez, vous me rappelez ma Médéa. Anyway, you see, you had a dream about me. Qu'avez-vous? Dites que vous m'avez vu en rêve, ouais, c'est étrange ça. I'm sorry. I haven't even introduced myself. Je suis Valentina, Valentina, la fille du grand médium. Ah, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. To my house, I'll explain it's by the well, at the far end of town. C'est près du puits, de l'autre côté, de l'autre bout de la ville. Ok. What was she rabbiting on about? Come round my house, she says. Magnificent! She wasn't afraid to look at me at all. Alors... Not one bit. We must give this young girl a helping hand. Nous devons porter secours à cette jeune fille. Bah, allons la voir. Prends-toi cette maison près du puits et va voir ce qu'elle veut. Me? De toute façon, j'ai pas le choix, hein. S'il y va, ça fera une émeute. Donc, on est bien obligé, hein. Alors, le puits. J'ai déjà trouvé le puits. Voilà, bouclier. Ils s'en fout. Tout le monde était sur le charbon. Ah, peut-être parce que j'ai fait nuit, possible. Miaou. Bon, au moment, c'est que c'est un chat. Où est-ce qu'il faut aller? On est là. Ok, donc on va faire tout le tour, j'imagine. Donc on va déjà sauvegarder.
peut pas. Ah, c'est elle. Sauvegarder. Serviteur, je sauvegarde votre partie. Ok. Ok. Une chose de faite. Donc, la dit vers le puits. À l'autre bout du village. Donc, ça veut dire que ce serait au fond du village. Si on reste logique. Pas de puits là. Non, il n'y a pas de puits dans le puits. Ah, c'est par là. Le puits. En cuir et le met dans son sac. Ok. Alors, on voit. Où est-ce qu'on voit le sac? C'est ça que j'aimerais bien voir en fait. Ah, sac. Transférer. Hop. Jupe. Ah oui, voilà. Ok. Bon, je me dis que c'est celle-là. Je mets pas encore un petit peu avec les boutons, hein, je m'excuse. Tout ce qui est arme, tout ça, j'avoue que... Non, c'est elle. Enfin, j'imagine. Oui, elle dort. Tu es venu. I'm so sorry. I must have drifted off. How rude. I wanted to ask you a favor about this crystal ball. Je t'écoute. Quel est ce service? I'm getting ahead of myself. Bah vas-y, qu'on est au début, oui. Alors, my father, autrefois, il était mon père, un médium très réputé. Il recherche des trésors, des personnes disparues, ok. Et puis un jour, il a perdu ses pouvoirs, plus rien de ce qu'il prédisait se réalisait. Ouais, c'est dommage. C'est sans doute pour cette raison pour laquelle il a cessé de se servir de sa vraie boule de cristal. C'est normal. Valentina, what is going... Ah, combien de fois t'ai-je pas touché ma boule de cristal? Tu ne serais pas le garçon de la taverne? Eh si. Je ne sais pas ce que ma fille t'a demandé, mais oublie tout ça. Je n'ai pas besoin d'aide. Je vais me coucher. Dis au revoir, notre jeune visiteur, et là, raccompagne-le. On dirait trop Satan, hein. C'est abusé quand même.
pas très aimable. Hein. Mais quoi qu'il dise, il souffre vraiment d'avoir perdu ses pouvoirs. Alors, peux-tu lui retrouver une boule de cristal qui soit... Ouais, mais où? Ah, caché au fond de la caverne de la grande cascade. Au sud du lavis, ok. Donc il y a une caverne, ok, bon, on va aller voir ça. Où est la porte? Au sud de la ville? Donc faut sortir par le sud alors. Ça voudrait dire. Porte en fait. Donc on est obligé de sortir par là. Hein. Ah, ces chargements des vieilles consoles. Ah, en fait, j'y vais direct. Je vois. Excellent. Quel dévouement. Voilà comment il puisse se comporter. Et si le truc se trouve, se retrouve ses pouvoirs, il n'y a rien. Il y aura. Hein? Il n'y aura rien qui ne puisse pas. Ah oui, bah oui, s'il trouve ses pouvoirs, il saura où trouver. Bidule. Là. On y va. Resterons à l'extérieur. C'est bien la dernière fois que nous mettons les pieds dans une ville de barbares comme celle-ci. Mais vous devriez passer la nuit à l'auberge. Ok. Ok, on va dormir dans l'auberge alors. Ok, ok. Moi je dors direct en fait. Ah non, ok. Souhaitez-vous passer la nuit ou juste... Bon, c'est déjà fait, mais on va le faire deux fois, comme ça au moins c'est fait. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, je crois qu'il fait la marmite spéciale. Alors moi je me trompe de jeu, mais il me semble. Il me semble que c'est la marmite spéciale. Hein. Non ! Trompé de bouton ! Pas les boutons pour faire les... Je vais changer les boutons pour mettre le texte plus vite, mais bon, ça va aller. Faut que je lui fasse avec les boutons, j'avoue j'ai encore du mal là. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué une manette PS2. Hein. Enfin, si, bon. C'est plus les boutons du jeu. Donc vu que je n'ai toujours pas d'argent, on va s'enfuir. Où est la sortie? Ah bah elle est là. Tout bête, tout bête.
Évidemment, les monstres, on peut les capturer et les combattre, hein, mais bon, pour l'instant, je ne dois pas pouvoir. Il me semble. Hein. Bon, allons-y. Ils seront juste derrière toi. Ok. En fait, c'est moi qui passe devant qui reçoit tout au cas où. J'ai compris. Quand les PV baissent, dangereusement, ok. Ok. Que ça fait si je sors l'herbe? Ah voilà, c'est le monstre. Ok. Moi, je vais pouvoir se farmer, hein, donc je fermerai un petit peu évidemment hors caméra, hein, bien sûr. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? 3 pièces d'or, enfin, c'est pas terrible. Hein. Pas terrible. Hein. Et un mouton. Ah. Cascade. Ah, faut que je fasse un peu des ennemis, sinon je pourrais jamais attaquer. Ah bah voilà. Intimidé pour pas que ça attaque. Donc ici des trucs spéciaux. Ok, pour l'instant je n'ai rien. Hop, attention. Ne tue pas, s'il te plaît, merci. Oh, plein de balles. Non, pour te tuer. 4 pièces d'or, ok. Faire n'importe quoi. Donc on continue vers le sud. Ah bah c'est là-bas la cascade. On y arrive. Concentration. Tu peux éviter de me tuer, s'il te plaît, merci. Thank you.
créer l'attaque. Voilà, hop là. 4-5 pièces d'or, putain, c'est pas terrible. Hein. Pas terrible. Hop. Et où est l'entrée? Ah ben là, l'entrée. Hop là. Il semblerait que nous ayons trouvé l'entrée. J'aurais bien aimé les accompagner, mais je ne peux décemment pas m'aider en danger. Demo, il ne fait jamais rien lui en fait. Il attend au roi tranquille. Bon, bah en fait, je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier, c'est juste le prologue. Et puis, bah, dans le prochain, avant de chercher une aiguille dans une botte de foin, comment on va pouvoir trouver une boule de cristal là-dedans? Il faut mieux d'avancer doucement ici, chef. Il faudrait pas qu'on se blesse. Ah, c'est vrai qu'on peut se parler entre nous. Ouais. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode, et puis dans le prochain, on commencera à faire ça. Donc moi je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre le let's play, et moi je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.